d'abord commencer par remercier les journalistes et toutes les personnes présentes aussi, ainsi que bien sûr Sylvain qui est là et qui nous a soutenus depuis le début. Le Majestic est un cinéma indépendant qui soutient beaucoup le cinéma africain et qui permet à des producteurs indépendants de diffuser leurs films, ce qui est aujourd'hui totalement impossible dans Europe si on n'a pas un grand distributeur derrière soi. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, va faire renaître le cinéma africain, parce que ce que recherchent les producteurs en Afrique, c'est une indépendance et une capacité de diffuser leurs produits. Et le Majestic a vraiment offert une plateforme dans ce sens. Avant de parler du film, je vais laisser Sylvain dire quelques mots là-dessus. Et ensuite, on va peut-être parler du film, etc. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais féliciter encore Massif et toute son équipe pour ce film, je vais dire, très drôle, très hilarant, très drôle. Je voudrais féliciter aussi tous les acteurs qui ont joué, donc on a le privilège d'avoir vous, Michel, à côté de nous, qui, comme le vin, se bonifie avec le temps, et qui chaque fois est notatifié, en fait, de ses prouesses d'acteurs. Je pense que ce film a fait un long chemin, et j'espère qu'Antoine nous fera encore confiance pour la distribution. Sur ce, le Majestic peut se positionner comme la plateforme par excellence pour la production de films africains et ivoiriens en particulier, pour la promotion de films. Donc nous avons aujourd'hui, depuis mai 2015, ouvert plusieurs cinémas, donc le Sofitel Ivoire avec 385 places, Majestic Prima, Majestic Ivoire d'abord, Majestic Prima 233 places, Majestic Sokossé 180 places, un complexe à Yopougon de 3 salles, donc une de 314 places et deux de 184 places. Donc à partir de ce soir déjà, le film est aussi à l'affiche sur Cosmos à Yopougon, à Majestic Figaro, donc n'hésitez pas à fréquenter toutes autres salles. Vous pouvez donc avoir tout le programme en visitant notre site internet www.majesticcinema.ci. Vous pouvez consulter notre page Facebook Majestic Cinema CI pour avoir tout le programme et le contenu de nos différentes activités. En dehors de ça, je voudrais dire que ce film-là, nous, on l'a positionné comme, pas comme en griffe un film africain, mais on l'a positionné comme un blockbuster, c'est-à-dire histoire avec un tarif de film blockbuster qui est 5000 francs, vous voyez. Donc on veut, à travers cette production qui, comme vous l'avez regardé dans le décor, la qualité des acteurs et tout le savoir-faire qu'il y a autour, valoriser aussi nos productions africaines et leur donner le même niveau que les plateformes de films hollywoodiens et tout. Donc je voudrais vous inviter à continuer à nous faire confiance et inviter tous les producteurs à continuer à nous faire confiance pour que vive le cinéma ivoirien, vive le cinéma africain. Je ne vais pas être plus long et je vais passer le micro. Merci. Merci. Et merci Sylvain pour ta confiance et ta gentillesse. Je voulais aussi remercier ce soir très rapidement, parce qu'on a très peu de temps, la Sodefort, qui a été très accueillante et qui nous a permis de tourner dans leurs locaux. Également Max Air, qui a mis à notre disposition les avions, les hélicoptères, avec la plus grande gentillesse et coopération. Je ne m'y attendais pas du tout. Bien sûr, la mairie d'Abobo, la chefferie d'Akiekwa, qui nous a permis de tourner dans le site de Abobo. Et bien sûr la Solibra qui, lorsque j'ai abordé pour la promotion, s'est immédiatement mis à disposition pour faire la promotion de ce film. Et au-delà de toutes mes attentes, je vais donc remercier toutes les personnes concernées et qui nous ont aidés sur ce point. Et je suis très très content de savoir qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde fait de son mieux pour aider le cinéma. Et je crois que ce sera le pays qui sera le leader dans ce domaine pour le nouveau cinéma africain qui, pour moi, sera vraiment présent lorsqu'il sera en concurrence avec le cinéma américain à part entière. Et c'est vers cela que nous essayons d'aller. Je voulais aussi dire quelques mots sur Michel Gohou. Michel Gohou est quelqu'un qui est maintenant sur l'audiovisuel africain depuis maintenant 30 ans. Et il a fait son chemin sans aucune subvention,
Brigade, etc. Ça veut dire que c'est l'acteur à part entière qui est vraiment l'acteur, pour moi, le plus comique de sa génération. Et au-delà d'un acteur comique, c'est un très très bon acteur et un gentleman. Ça m'a fait très plaisir de travailler avec toi, Michel. Et je pense que, je disais ça tout à l'heure, mais je vais le redire ici, un jour, lorsqu'il y aura le musée écrivain de l'Afrique, Michel Gou figurera dedans, on est en présence d'une légende. Et nous avons également ici des acteurs qui ont joué dans le film, et tous ne sont pas là, mais Ray, bien sûr, qui a immédiatement pu jouer le rôle de Julien Leblanc. On cherchait un acteur en France, et finalement, on est tombé sur Ray, je ne le connaissais pas. Et non seulement il a bien joué, je pense que personne n'aurait pu jouer le rôle mieux que lui. Un très très bon acteur, il s'est tout de suite adapté au rôle, et vous l'avez tous remarqué. Nous avons également ici, dans aucun ordre particulier, je vais prendre de gauche à droite, nous avons Désirée, elle a fait l'audition lorsque nous sommes allés à l'IPAG pour faire l'audition des jeunes acteurs. Et elle a été très drôle, et donc je l'ai mis dans le film, je n'ai pas été déçu. Roger Bégard, le gentleman que l'on voit souvent à l'affiche dans toutes les pubs d'Abidjan, que ce soit le jus d'orange de Kellogg's, c'est monsieur parfait. Et monsieur parfait était aussi parfait pour le rôle, monsieur le ministre. Et je trouve que là aussi, le rôle était très très bien, et l'acteur a très très bien joué son rôle. Merci beaucoup, Roger. Et bien sûr, Ivan, il nous fallait un général. Et Ivan, il est arrivé, il m'a dit que j'étais acteur avant. Mais tu es toujours acteur maintenant, Ivan. Ça continue. Et bien sûr, Pierre Boulet, il n'y a pas de petit rôle dans un film. Chaque rôle compte, même si Pierre n'apparaît qu'à la fin dans deux scènes. Ce sont pour moi parmi les scènes les plus drôles et les plus mémorables. Donc merci Pierre aussi d'être pris au jeu. Je pense que ce soit le magnifique ou Akalawal qui, hélas, ne pouvait pas être là ce soir, nous avons affaire à des grands talents comiques et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux. Et je crois que le public en Côte d'Ivoire va apprécier. On a essayé de rentrer un maximum dans un petit peu la culture, les blagues locales et essayer de jouer un petit peu avec ça. Alors, je vous remercie. On va prendre des questions s'il y en a. Je ne voulais pas être dans la grammaire parfaite, je voulais être dans le son parfait. Je voulais que ça soit un son plus comique, voilà, tout simplement. Moi, j'ai eu l'honneur et vraiment eu la chance, je dirais que c'est une chance pour moi d'avoir travaillé avec Michel à ses côtés. Ça a été un grand défi, pourquoi? Parce qu'en 12 ans de carrière, en tant qu'acteur en dramatique, le thriller, le policier, l'action, la comédie a été vraiment quelque chose de nouveau. Et Michel m'a mis à l'aise énormément là-dessus. Magnifique, on se connaissait déjà un peu parce qu'il avait tourné dans une autre production. Et le côté comédie, c'était quelque chose que j'ai découvert et qui m'a énormément plu. Je ne me sentais pas capable de pouvoir le faire. Antoine Bastien m'a beaucoup rassuré. Mon manager qui est dans la salle, Mateka Timmerman, m'a beaucoup motivé, avec Fabrice, son mari. Et honnêtement, ils m'ont dit, si t'as cette chance-là, vas-y, fonce. Et Michel, je le remercie du fond du cœur, parce que c'est pas évident peut-être de travailler avec des gens qui sont pas comédiens dans l'humoristique. Et il m'a beaucoup soutenu, je l'ai beaucoup suivi, je me suis appuyé sur lui. Et honnêtement, je tiens à le remercier énormément, et que Dieu lui rende grâce. La prochaine question, Michel, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu as à dire sur Kipré? Sur Kipré Goku, le personnage que tu joues dans le film. Comment tu ressens ce personnage? Bonsoir à tout le monde. Kipré, il est bête, c'est tout. C'est un personnage bête. Bien. Ça a été une aventure assez difficile, assez rocambolesque à la fois. Et on a travaillé avec un réalisateur hors pair, un réalisateur. Il est vraiment spécial, ce réalisateur. Antoine Bassi, ça fait deux fois que je travaille avec lui. La première fois, c'était. Il m'a fait partir sur Paris. On a tourné Laurent et sa fille. Et là-bas, déjà, avant de parler de mon rôle de Kipré, puisque c'est toi qui m'as posé la question, je suis arrivé, on est allé sur le plateau de tournage, je vois Antoine Vassy au four et au moulin. Il n'y a que les acteurs d'un autre côté, mais d'un autre côté, il devait y avoir les techniciens, je ne vois personne. Il n'y a que lui. Il place sa caméra, il s'en va, il
place la lampe, il ajuste la lampe, il revient, il place le micro. J'ai dit, mais tes techniciens, ils sont où? Il dit, non, Michel, ça va aller, ça va aller. Et finalement, il était le seul technicien de A à Z sur le film Laura et sa fille. J'ai jamais vu ça. Donc, j'attendais le résultat pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Est-ce que on peut travailler sur un film dans ces conditions-là? Le film Laura et sa fille est sorti. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Ceux qui ont eu la chance de le voir en Côte d'Ivoire, ils l'ont vu. C'est pas un film à négliger du tout, il est bien. Il est bien comique. Et il me rappelle, il dit, j'ai un autre projet, le gendarme de Agogo. J'ai dit, ah, il revient encore ce monsieur. Et je n'ai pas manqué de parler de lui à mes amis et tout. J'ai dit, ce monsieur, il est assez spécial. Et ceux qui ont travaillé avec lui, ils l'ont remarqué. Vrai ou faux? Et il est à sa caméra, il place la lampe, il ajuste tout, et il est en même temps le directeur d'acteur, réalisateur et tout à la fois. Mais c'est difficile de tenir un long métrage avec ce rythme-là, c'est pas facile. À une semaine de la fin du tournage, on était à que quoi, quand Dao l'a regardé, il entre, il sort, Dao dit, mais votre type-là, il ne va pas tenir deux jours. Hein. Mais il était devenu faible, léger. Effectivement, le lendemain, on a reçu le tournage, on dit, Antoine, il est hospitalisé. Ouais, ça ne pouvait pas être autrement. Pour dire que le rôle que j'ai eu à jouer, je l'ai senti parce que moi, quand on fait une distribution dans un film, que je ne sens pas le rôle, je ne prends pas. Alors, j'ai pris le rôle parce que je l'ai senti. Je savais que si je rentrais au fond de moi-même, je pouvais donner quelque chose de potable. J'ai essayé, tant bien que mal. J'avais à mes côtés aussi des acteurs professionnels et on n'a pas eu assez de difficultés. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler avec mon collègue, mon capitaine, qui a débarqué fraîchement de France, à qui j'ai appris quand même le climat de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Même si ça n'a pas été facile. Mais on a quand même mené la mission jusqu'au bout. L'essentiel, c'était de démanteler le réseau terroriste. Nous l'avons fait. Voilà. Donc, moi, franchement, merci d'être venu ce soir pour voir le film. Si je le découvre en même temps que vous. Et pour le moment, je ne peux pas juger parce que le repas est venu de nous. C'est nous qui avons offert le repas. Vous êtes des invités. C'est à vous de nous dire comment vous avez trouvé le repas. Roger Pégard, qui joue le rôle de ministre et qui va nous expliquer son expérience en tant que ministre dans le film. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux soutenir en regardant le gendarme d'Abobo. Non, le gendarme de Abobo. Voilà, c'est vous qui nous encouragez. Et de par vos encouragements, nous essayons de faire mieux que ce que nous faisons. Donc merci et je vous espérais que ça vous a plu, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'étais surpris du résultat parce que, comme l'a dit Michel tout à l'heure, Anton Vassy était surprenant sur le plateau de tournage. Donc, il y a eu un casting. Voilà, il y a eu un casting et après j'ai été appelé pour dire que j'ai été retenu pour le rôle du ministre. D'abord, ma première impression était bonne, c'est l'impression de joie parce que je devais jouer avec Michel Gou. Et ce qui m'a beaucoup plu chez Gou, c'est son professionnalisme. Voilà, il est toujours à l'heure. Vraiment toujours à l'heure et il ne respecte jamais, je ne trompe pas. Il ne respecte jamais, voilà, ça, voilà. Surtout, j'ai adopté ça aussi. Je pense que c'est très important. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur le rôle que du ministre, sauf que j'ai aimé jouer le ministre. Voilà, j'ai dit en temps, j'aurais aimé encore jouer autre chose dans un autre registre parce que je suis toujours dans le même canevas.
ministre, père de famille et tout ça. La prochaine fois, ça va changer. En tout cas, moi, j'étais énervé par le résultat parce que, comme l'a dit Michel, Anton, il était au four et au moulin. Voilà, il était au four et au moulin. Je lui ai demandé, mais t'as pas besoin de clapiste et tout ça. Oh, ça, c'est une perte de temps. Il arrivait devant lui, il faisait ça à l'hiver. Là, je suis pris le résultat, il est beau le résultat. Mes félicitations. C'est gentil, merci. Voilà. Comme on l'a dit, c'était un plan. Tout ce que le blanc dit, c'est la vérité. Ce qu'il fait, c'est la vérité. On n'a pas besoin de résultat. En tout cas, merci de nous soutenir et merci d'en parler aussi parce que les séances sont tenues pour le mois de novembre. Voilà, venez regarder et encouragez vos amis frères à venir regarder le gendarme d'Abogo. Non, le gendarme de Abogo. Merci. Merci. Question, comment les gendarmes d'Arrobo? Parce que tout simplement, j'ai peur de l'avion. Et quand je prends l'avion, j'écoute toujours des musiques pour me changer d'idée. Un jour, j'écoutais la chanson du gendarme de Saint-Tropez, et j'y ai pensé, et j'ai dit, mais c'était suite à un incident qui est arrivé. J'ai dit, c'est un bon film classique, gendarme. Et j'avais toujours dit que Michel Gou, c'était le Luc de Funès de l'Afrique francophone. Et j'ai fait le lien, j'ai dit, tiens, Luc Funès, dans un truc qui pourrait être comme le gendarme de Saint-Tropez dans le concept. Et après, j'ai laissé tomber l'idée. Et quelques temps après, j'allais à Rinconneau en voiture. Et il y a un policier qui nous a arrêtés, il nous a dit, bon, on fait comment? J'ai dit, mais on fait comment quoi? Il dit, mais j'ai chaud, j'ai soif, on fait comment? Et j'ai dit, ça c'est Dieu qui m'envoie un message. Il faut que je fasse ce film. Et j'en ai parlé à Michel. Michel pensait que j'étais fou, à vous? Ouais. Oui, ça c'est clair. Michel pensait que j'étais fou. Et quelques temps après, je me suis rendu compte que le scénario et le film, on l'a vraiment fait. Voilà. Donc c'est comme ça que l'idée est née. En ce qui concerne la comédie, rien n'est drôle si ça ne touche pas à une thématique vraie. Et il y a beaucoup de thématiques et des non-dits en Afrique et en Côte d'Ivoire aussi. Et c'est souvent ça qui est le plus drôle. Maintenant, par exemple, je viens exagérer un petit peu les traits. Ça met les choses en perspective, ça enlève un petit peu la tension qu'on a par rapport à certains sujets. Là, on a abordé le sujet de la corruption, de la France-Afrique, de tout un tas de choses. Mais je pense que les gens savent faire la différence entre le réel et aborder les thèmes. Et je pense que le but du film, c'est de faire réfléchir. Parce que je ne suis pas là pour donner les réponses, je suis là pour attirer l'attention sur des sujets qui souvent fâchent, mais qui sont nécessaires d'être abordés. Voilà. J'ai dit je veux devenir un acteur possible, donc on a fait le maximum d'appels pour faire venir un maximum d'acteurs. Je les ai tous, j'ai vu tous ceux qui m'ont été présentés. Je ne connaissais personne, hein. Je ne savais pas qui était tel ou tel acteur, et j'avais même quelqu'un à la porte qui me disait celui-là il est connu, celui-ci n'est pas connu. Donc à un moment donné il y avait un acteur non connu qui est rentré, on m'a dit il est connu. Alors j'ai dit oh j'adore votre travail, je suis un fan, je ne savais même pas de quoi je parlais, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris les meilleurs acteurs. Et à un moment donné, il y a Roger qui me demande, mais pourquoi tu n'as pas mis, pourquoi tu n'as pas pris Guy Callot? Je dis, mais Roger, j'ai pris toi parce que tu corresponds au rôle, pourquoi est-ce que je prends, mais je ne connais pas, je ne vais pas prendre un acteur parce qu'il est connu, je prends un acteur parce qu'il correspond au rôle. Et vous pouvez avoir un acteur qui joue bien un rôle, mais qui ne joue pas bien un autre rôle parce que le rôle ne lui correspond pas. Et je pense que le rôle du réalisateur, c'est quand on voit un acteur devant soi, on doit se dire, on doit se poser la question, est-ce que cet acteur-là me convainc? Est-ce que je crois vraiment qu'il est le personnage? Et si on prend par exemple Désirée qui est ici, elle est venue parmi plein d'autres actrices qui sont à l'IPAC, et je ne me suis pas posé la question si c'est la meilleure actrice ou pas, ou je ne savais pas. Je me suis dit, est-ce qu'elle me fait rire? Est-ce qu'elle correspond au rôle? Et elle avait un côté un petit peu, en même temps insolent, et en même temps un petit peu bébête, et en même temps qui correspondait à quelqu'un qui réfléchissait. J'y crois. Et quand on croit que la personne ne joue plus un rôle, mais que c'est vraiment le personnage, ben c'est le bon personnage. D'ailleurs, j'en profite pour faire parler Désiré. Comment ça a été, Désiré, de travailler sur un long métrage? Je crois que c'était ta première fois, non? Raconte un petit peu ton expérience. Bonsoir à tous. Je suis étudiante en danse à l'INSAC. Danse? Voilà. Bon, sur le tournage, tout s'est bien passé. Bon, en fait,
quand je venais travailler, je ne savais pas avec qui, vraiment. Bon, voilà. Donc, je suis venue, j'ai croisé des personnes que je ne connaissais pas, comme ce bon monsieur, ce bon monsieur. Tout et tout, tout le monde. Beau. Beau, beau. D'accord. Voilà. Donc, je me suis mise dans la peau. J'ai commencé à me frotter à eux, puis voir comment ils ont. J'ai commencé à voir comment eux faisaient pour travailler. Puis j'ai adopté le comportement aussi. Et puis je me suis mise dans la peau. J'ai fait un peu. Je ne pas que c'était bien aussi. Il n'y a aucune aide qui est venue des organismes français ou autres, si c'est à cela que vous pensez. Pour toute simple raison, c'est que la France n'a pas vocation à produire du cinéma africain. La France est un pays qui est subventionné et les subventionneurs ne connaissent pas l'Afrique. Donc si je leur mets Michel Gou et tous les gars que Michel Gou demandait, ils ne vont pas comprendre. Donc ce n'est pas le même cinéma. Et c'est ce que je disais au groupe Majestic, pour que le cinéma africain puisse exister, il doit être totalement indépendant. Je voulais aussi donner la parole rapidement à Ivan, parce que pour le moment, Ivan, le général, n'a pas encore parlé. Ivan, dis-nous quelque chose, comment ça fait d'intégrer, d'incarner la France en Côte d'Ivoire dans l'Afrique. Merci Antoine pour la parole. Merci à tout le monde, effectivement, aussi d'être venu, d'avoir vu le film. Évidemment, visiblement, vous l'avez apprécié, et ça fait chaud au cœur. Je ne vais pas reprendre ce que tous mes camarades ont dit, mais c'est vrai que de voir Anton, la façon de travailler tout seul, à faire tout ça, et de voir le résultat qui a été fait, bah, moi je trouve que c'était vraiment une chouette aventure, et puis un super résultat. Donc merci Anton pour cette aventure, déjà je tenais vraiment à te remercier pour ça, à toute ton équipe aussi, qui a toujours été super sympa, dynamique, présent, disponible. Voilà, qui a fait. Bon, moi j'ai fait que quelques jours de tournage, mais le peu du quotidien que j'ai vécu avec vous a été super intéressant, super fluide, et puis travailler en harmonie et dans la bonne humeur. Et ça, c'est plus du travail, c'est un vrai plaisir. Donc merci Antoine. Et à propos, c'est un quartier qui a la réputation d'être un quartier populaire et tous les problèmes qu'on a cités dans les films font partie de l'inconscient collectif, donc ça correspondait parfaitement à l'histoire. Oui, effectivement, la comédie c'est quelque chose qui n'est pas simple. Arriver à faire rire quelqu'un, c'est pas évident. Arriver à raconter une blague pour que les gens rigolent, ça marche pas tout le temps. Donc je pense pas qu'il y ait forcément un atout ou physique ou autre, c'est ce qu'on dégage et l'humour qu'on a envie de faire passer, c'est un vrai travail. Je me suis rendu compte que c'est un vrai boulot, parce que autant un rôle de composition en tant qu'acteur, acteur studio, et autant un acteur de comédie dans le côté humoristique, c'est un travail à fournir où je me dis chapeau, parce que tenir par exemple sur une scène de théâtre pour avoir une heure de comédie à tenir pour faire rire les gens pendant une heure, quand on est derrière un écran, on a plusieurs prises à faire, on a la chance de pouvoir se reprendre. Quand on est sur un spectacle comme Gogo l'a fait pour ses 30 ans, il ne faut pas se louper. Moi, je ne pouvais que m'appuyer sur Michel pour qu'il m'aiguille là-dessus, parce que la comédie, c'était tout nouveau. Et Michel m'a dit un jour, sur le premier jour de tournage, Antoine ne rigolait pas encore sur mon réplique. Et Antoine m'a dit, tant que je ne ris pas, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ok, moi je suis dans le pain, même si on m'a pris pour un blanc. Mais pas pour moi. Michel m'a dit, ne t'inquiète pas, il m'a dit, tu me vois comme je suis, moi, je suis petit, toi tu es grand. Il dit, moi je t'es jeune. Il dit, le ridicule ne tue pas. Moi c'est ce qui fait ma force. Donc fais-en une force, rends-toi ridicule, les gens vont rire. Donc je l'ai écouté, je me suis appuyé là-dessus. Et je me suis laissé aller, même des moments où Antoine me dit « Pardon, faut pas trop en faire non plus, d'accord ?» Donc du coup, il faut doser, il faut arriver à faire à tel moment. Et bon, il y a quand même une part de sérieux. C'est vrai que ce film, c'est une parodie aussi, il faut pas le prendre au premier degré. On est là juste simplement pour rigoler, pour faire un film comique. Il y a des choses qui sont peut-être extrêmes, d'autres qui...
qui sont qu'on survole et puis qui voilà qui font rire. Il n'y a pas de cliché de le blanc est meilleur, le noir est moins bon. C'est il n'y a pas de cliché comme ça justement. Si vous avez remarqué un peu le message du film, c'est une collaboration avec deux identités différentes, un qui est complètement droit comme un I et l'autre qui est courbé comme un C. Voilà. Donc donc du coup voilà, c'est il y a personne qui est supérieur à l'autre du tout. Je sais que moi j'ai vu sur mes réseaux sociaux le jour où j'ai partagé la bande annonce. On avait fait 1 million et quelques vues, 15 000 partages. Et il y a des personnes qui disaient « Ah, moi je vais pas aller voir, je suis sûr que c'est le film cliché qui, justement, on prend les Africains pour des imbéciles. » Moi, malheureusement, je suis né en Côte d'Ivoire. Et heureusement, d'ailleurs, même, je veux dire, malheureusement, non, c'est faux. Heureusement, je suis né en Côte d'Ivoire, ma mère est ivoirienne. Je suis peut-être franco-ivoirienne parce qu'il y a un blanc qui est passé par là. Voilà, ça va donner ça. Hein. Mais je reste quand même ivoirienne dans le cœur, de naissance, biologiquement aussi. Et je suis fier justement que cette production se fasse ici et que se fasse avec des acteurs voilà, purement ivoiriens et aussi des acteurs français qui sont là pour intervenir, ce qui est normal, parce que c'est le choix, c'est le choix du scénario d'Orton. Mais... C'est parce que tu es blanc, c'est ça? Et puis voilà, qui vous traite de con, voilà, les généraux là. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Et pour répondre à la question, ouais, j'avais une frousse terrible, c'est clair, parce que... Je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire rire les gens pendant 2 heures? Et ça, c'était un défi. Voilà. Mais grâce à Michel, il m'a dit, rends-toi ridicule. Il m'a dit, oublie le physique, oublie ton jeu d'acteur studio, oublie tout. Il m'a dit, rends-toi ridicule. Il y a le ridicule, mais il ne tue pas. Voilà. Donc, merci Michel. Moi, je prends un acteur parce qu'il joue bien le rôle, point. Je ne prends pas en compte forcément son âge. Il est vrai que la plupart des acteurs sont plutôt jeunes parce que c'est des jeunes qui ont encore l'audace de le faire. Mais je pense que tous les acteurs ont un âge qui correspond à leur rôle. Je n'ai pas fait une sélection basée sur la jeunesse ou autre. J'ai pris le meilleur acteur possible dans chaque rôle. Merci. Et il y a quand même des situations où on remercie tout le monde parce que c'est protocolaire et c'est normal que les gens qui ont aidé soient tous remerciés. Et beaucoup de gens ont aidé, que je ne peux pas donner aujourd'hui parce que la liste serait plus longue. Et je suis très reconnaissant. Mais en particulier, je veux remercier le directeur de communication Guy Alain Indat de la Sonéfort qui a pris l'initiative de nous introduire auprès du directeur général qui était très gentil de nous suivre dans cette demande de mettre à disposition la Sonéfort pour tourner ce film et je le remercie du fond du cœur. Et je veux dire aussi que en ce qui concerne Marc Serre, on a eu un soutien sans faille et pour conclure aussi, on a eu à la Solibra. Une promotion que je n'aurais jamais espérée. Et je ne sais pas qui a pris cette décision, en tout cas c'est Julien Zairo avec qui on a eu affaire et son associé Francis Batista, j'étais très 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 content. Et je suis excessivement aussi content de savoir que la chefferie d'Aïkiekroa, je n'ai jamais pu prononcer ce mot correctement, le chef du village, Bowie Faustin Oboudou, a été très très gentil et serviable. Et je pourrais continuer à citer des noms, mais sachez qu'un film en Côte d'Ivoire ne peut se faire qu'avec le soutien des différents organismes, et on l'a eu, et donc merci beaucoup. Et donc merci à toute mon équipe de tournage, merci aux acteurs, rendez-vous au cinéma. Parce que c'est un film comique, et ça dure quand même plus d'une heure, et c'est un régal de voir les gens rire de bout en bout, du début jusqu'à la fin, c'était quand même... Mais aujourd'hui, avoir un nouveau registre que je mets dans ma poche, qui est la comédie, et c'est une expérience que je renouvellerai absolument. Maintenant, Anton Vassil, le réalisateur, j'ai été très content de bosser avec lui parce que c'est quelqu'un qui sait mettre à l'aise les gens, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui ne bâcle pas le travail, qui est très perfectionniste, qui fait énormément de plans. C'est là où on a été surpris parce qu'on était super crevés parce qu'on n'a jamais vu un réalisateur qui faisait autant de plans pour une scène. Mais quand on voit le résultat, on comprend pourquoi il avait besoin de filmer dans tous les angles. Parce que je trouve que le résultat est réussi, le travail est bien fait, j'ai été bluffé, j'étais surpris. J'avais un doute sur ce que ça pouvait donner, et surtout j'avais un doute dans mon rôle pour savoir s'il allait faire rire aux côtés de Michel. Même si Michel peut être là, il faut quand même qu'il y ait une connexion à double sens. Vous savez, le cinéma ne fonctionne pas à sens unique, il ne faut pas être égoïste. Voilà, et quand on joue avec un partenaire, il faut savoir lui donner pour qu'il vous rende en retour, et c'est très important. Voilà, en tout cas, je félicite le film, je félicite Anton Vassil, toute l'équipe technique, et je félicite les téléspectateurs d'avoir été aussi nombreux ce soir pour venir nous soutenir, et que Dieu bénisse tout le monde.
avons Akalawal, nous avons le magnifique, nous avons également Roger Pégard, nous avons Obro Bienvenue, qui est une très très bonne actrice, et des petits rôles également qui ont été joués par des acteurs qui ont beaucoup de talent ici en Côte d'Ivoire. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de tirer la charrette du cinéma africain, et j'espère que ça ira encore très très loin, et qu'avec l'ouverture de nouvelles salles, de plus en plus de films qui pourront être appelés des blockbusters vont venir. J'espère que Le Gendarme d'Abobo va plaire, et je crois que nous avons quelque chose qui rentre dans la sociologie de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le pays est un merveilleux pays pour tourner des films, et j'espère que ça va continuer. Oui, lorsque nous faisons des films, nous faisons des films ici en Côte d'Ivoire, nous les sortons d'abord en Côte d'Ivoire pour ensuite aller vers les autres pays. Normalement, c'est le contraire. Et maintenant, nous, notre point de départ, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous faisons des exports vers l'Afrique francophone et ensuite vers des autres territoires francophones. Et c'est en démarrant les projets en Côte d'Ivoire que nous allons jusqu'au bout du chemin. Et j'espère que ce film sera également présenté au Festival de Cannes. C'est quoi le prochain titre? Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, mais il y a d'autres projets en cours ici en Côte d'Ivoire, et j'espère que j'aurai la chance de retravailler avec des talents comme je les ai eus ici dans Le Gendarme d'Abobo.